marche comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Concernant la mission que le démon, la mission spéciale que le démon de juin va exécuter en ce mois de juin 2022. Je vais vous parler de cette mission. Comme nous avons toujours dit, ça ne vient pas de nous, c'est le Seigneur qui nous révèle cela et nous, à notre tour, nous vous révélons cela. Bien-aimé, tu peux encore prendre le passage de Proverbe 28, verset Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Disons au nom du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Amen. Amen. C'est en vertu de cette parole de Proverbe 29, 18 que moi, le docteur Veraste KTN, je me tiens toujours sur la tour comme le prophète Habakkuk pour écouter ce que le Seigneur nous dira par rapport à cette mission qu'il nous a donnée de parler sur les démons mensuels. Ainsi, j'ai reçu cette révélation sur la mission du démon de juin, le démon Balbérit, en ce juin 2022, le 13 mai 2022, autour de 4 heures du matin. Je reprends. Le Seigneur m'a révélé ces missions-là en ce mois de juin 2022, le 13 mai 2022, autour de 4 heures du matin. 4 heures du matin, c'est l'heure à laquelle je me lève pour prier. Alors, pendant que je dormais, je vais avoir une vision. Et dans cette vision, je vais me retrouver au milieu de deux anges. Ils étaient vêtus en blanc. Alors, j'étais au milieu d'eux. Mais j'ai fait un constat, c'est que nos pieds ne touchaient pas le sol. En fait, c'est comme si entre le sol et nos pieds, il y avait, je peux dire, une distance de... l'ancien de la parole peut m'aider. Cette distance-là peut faire combien de distances, centimètres? Une distance au moins de 60 centimètres. Voilà, donc disons une distance de 60 centimètres, quelque chose comme ça. Alors, devant nous, il y avait un grand bâtiment. Et je dis un grand bâtiment. C'était en forme de gratte-ciel. C'était géant et ce gratte-ciel avait une couleur violette claire. C'est la couleur violette claire. Alors, ces anges vont me transporter jusqu'à l'entrée de ce bâtiment en gratte-ciel. Alors, dès que nous sommes arrivés à l'entrée, devant l'entrée du bâtiment, il y avait deux agents de sécurité qui étaient là. C'était des agents de sécurité. Ils avaient des vêtements noirs et des casquettes comme des agents de sécurité. Ils étaient là. Et ces agents de sécurité, malgré qu'ils avaient des casquettes, ils avaient des têtes de loup et des queues. Ils étaient là. Et le reste de leurs membres du corps avaient la forme humaine. Donc, ils avaient la tête de loup et la queue. Et les autres parties du corps, c'était des parties du corps humain. Alors, cette porte-là, où l'entrée, avait une inscription. Il y avait une inscription qui était là. Et l'inscription était encadrée comme dans une pancarte de couleur beige brillant. Alors, l'inscription était... Porte, on avait écrit sur la pancarte en couleur beige brillante, on avait écrit porte 666. C'était écrit comme ça. Porte 666, deux points, G, point, R, point, technologie en anglais. Je lis ça en anglais. Technologie, trait d'union, laboratory. Je reprends. L'écriture sur la pancarte de l'entrée de ce bâtiment était porte 666, deux points, G majuscule, point,
R majuscule point et technologie en anglais, trait d'union laboratory, donc en anglais. Et en dessous, on avait écrit lab numéro 1, donc lab L A B espace numéro comme numéro 1. Alors, je ne sais pas comment les anges ont ouvert cette porte et nous sommes rentrés par cette porte-là. Nous sommes rentrés et à l'intérieur du bâtiment, nous sommes retrouvés devant, je dirais, une salle qui était très vaste et avait plusieurs niveaux technologiques. C'est-à-dire que chaque niveau, il y avait des étagères, chaque niveau traitait des affaires de la technologie. Et les personnels que je voyais là étaient confondus parce qu'ils avaient tous des blouses bleues comme des médecins des hôpitaux. Bon, en tout cas, au départ, je ne sais pas si c'était des médecins ou pas, mais vous allez comprendre ou je ne sais pas quoi. Alors, ils étaient confondus, comme je le dis, soit c'était des médecins ou des technologues, je ne sais pas. Alors, nous avons commencé à marcher. On marchait pas avec nos pieds comme tels, mais l'enseignant de la parole, je ne sais pas si tu peux m'aider, les choses que je peux utiliser. On s'est déplacé sur l'espace, toujours avec cet espace de 60 cm avec le sol. Nos pieds ne touchaient pas le sol, je le répète. Alors, dès que nous sommes arrivés à environ 10 mètres de la réception, qui était gérée par une femme qui avait la forme moitié humaine, moitié serpent, c'est elle qui était la réceptionniste principale. Dès que nous sommes arrivés à 10 mètres de cette réception, les deux anges ont stoppé leur course. Ils vont me dire d'aller seul prendre l'ascenseur. Et une fois que je veux entrer dans l'ascenseur, je dois m'arrêter au sixième niveau. Et une fois que je suis au sixième niveau, je dois entrer dans la salle numéro 777. Et je demandais à, dès que j'ai exécuté, je me suis déplacé jusqu'à la réception. Je suis arrivé à la réception. Mais pendant que je marchais, je me suis adressé à l'un des anges. J'ai demandé si la dame de la réception ne pouvait pas me causer de problème. Et l'un des anges va prendre la parole pour me dire que ici, personne ne nous voyait. Donc, moi et ces deux anges, nous étions comme invisibles aux yeux de tous ceux qui étaient là. Alors, j'exécutais, j'ai pris l'ascenseur et là où l'ascenseur m'a laissé, au sixième niveau, en sortant de l'ascenseur, il y avait un long couloir. À gauche comme à droite, il y avait un couloir, mais il y avait des bouts. Je ne voyais pas le bout. Et je ne savais pas quel est le bas où il me fallait aller à gauche ou à droite, je ne sais pas. Et je constatais que tout le long du couloir, il y avait des portes. Mais les portes étaient numérotées. Et à côté du numéro, il y avait des symboles occultes qui étaient là. Qui étaient au-dessus, après les numéros et au-dessus des numéros. Donc, le numéro de la porte était encadré par les deux symboles occultes. Alors, pendant que je m'interrogeais pour savoir quel était le couloir qu'il fallait que j'emprunte, est-ce le couloir de la gauche ou de la droite, j'ai entendu la voix de l'un des anges parler. Et la voix me dit de prendre le couloir gauche. Alors, j'ai pris le couloir gauche et pendant que je marchais dans ce couloir, je constate que au bout du couloir, il y avait un escalier. Il y avait des escaliers. Je suis descendu par les escaliers. Et en descendant, il y avait d'autres escaliers qui remontaient. Et en empruntant la direction des escaliers qui remontaient, j'ai retrouvé la salle numéro 777. Et à l'intérieur de cette salle, j'ai vu qu'il y avait plusieurs créatures démoniaques ignobles qui avaient également des blouses blanches. Et ces démons faisaient visiter à certains scientifiques blancs. J'ai pas vu des scientifiques noirs
parmi le groupe de scientifiques qui étaient là. Et il faisait visiter à ces scientifiques humains les couloirs du bâtiment. Et nous sommes passés, puisque eux ne me voyaient pas. Donc, je suis passé au travers d'eux. Alors, dès que je suis arrivé devant cette salle, la salle numéro 777, je suis entré. En entrant, j'ai aperçu un rassemblement de plusieurs personnes et des démons vêtus en blouse blanche. Et toutes ces personnes rassemblées étaient devant quatre démons. Moi, je voyais les démons, les quatre démons par le derrière, puisqu'ils m'avaient tourné le dos, ils avaient tourné le dos à l'entrée de la porte. Alors, ces démons étaient Lucifer, Satan, que nous appelons couramment le diable. Il y avait le démon Athéna et il y avait un autre démon qui avait deux cornes en argent et les cornes là avaient des couronnes et ces démons avaient un anneau d'or au doigt et il était monté sur un cheval rouge. Et ce démon, c'est ce démon qui s'appelait Balbérit. Et à côté d'eux, il y avait un homme qui avait une soixantaine ou plus d'âge qui était là tout calme. C'était un démon aussi, il était l'Antichrist. Comment ai-je su les noms de ces démons, donc les quatre démons? C'est que derrière leur dos, lorsque je le voyais, leur nom apparaissait derrière leur dos. Alors, je me suis rapproché. Je me rapprochais de plus près d'eux. Alors, pendant que je me suis rapproché, j'ai vu, parmi ce rassemblement, parmi les hommes en blouse, il y avait un qui semblait être, je ne sais pas s'il faut que je l'appelle le chef d'équipe ou quoi, qui était en train de faire un discours. Mais cet homme parlait en anglais. Et le discours était focalisé sur les nouvelles inventions qu'ils envisageaient de promouvoir dans le monde. Et cet homme, les quatre démons, lorsqu'ils interrogeaient cet homme, ils étaient en train de l'appeler par un nom. Et le nom là, c'était Sir Francis Bacon. C'était le nom que les quatre démons, Satan, l'Antichrist, Balbérit et Athéna prononçaient concernant ce scientifique anglais qui était en train de parler. Il s'appelait Francis Bacon. Alors, ce Francis Bacon proposait parmi les inventions, il y avait des maladies, des épidémies et les pandémies qui devraient s'abattre sur la terre à partir du mois de juin, de ce juin où que nous sommes. Et parmi ces maladies, il y avait un rouleau, ils ont ouvert un rouleau, un long rouleau. J'ai vu, je vous cite les noms de ce que j'ai vu sur le rouleau, il y avait plusieurs. Sur le nom, on avait écrit Parkinson, on avait écrit psychiatrie, on avait écrit paludisme, on avait écrit saint, c'est-à-dire les saints, hein, les saints au niveau des poitrines des femmes, quoi. Les saints là, comme on dit chez nous, ma béni, hein, les saints. Les saints, et on avait écrit poumon au pluriel, accident, et ainsi de suite. Alors, je reprends, sur parmi les noms que j'ai retenus jusqu'alors, il y avait écrit sur le rouleau concernant les maladies, on a écrit Parkinson, psychiatrie, paludisme, les saints, c'est-à-dire les saints, les poumons, accident, les noms que j'ai retenus. Alors, Lucifer, Satan, va demander à ce scientifique Francis Bacon, les autres, c'est la force, il dit, où sont les autres? Je ne sais pas, il parlait de quoi. Alors, je veux voir des hommes toujours avec des blouses blanches, ils vont apporter devant le rassemblement une grande machine. Cette machine, je ne sais pas comment je peux l'expliquer, c'était comme une chaise. Vraiment, elle était vraiment géante. C'est une machine, c'était comme une chaise. Elle était argentée également et il y avait certaines pièces qui étaient en or. Et cette machine-là, au niveau de la chaise, il y avait un liquide qui était là. Le liquide avait une couleur verte. Le liquide avait une couleur verte. Et dans le liquide là, à l'intérieur de ce liquide, il y avait aussi un animal qui était vert. Mais cet animal vert là, c'était un animal, j'appelle animal, parce que par rapport à l'apparence, c'était un animal. C'est-à-dire un animal qui ressemblait aux bœufs, aux animaux. Mais c'était une araignée. C'est un animal, mais une araignée. Bon, imagine-toi une araignée qui a la forme d'un animal, comme tel.
une araignée. C'est, voilà, l'araignée qu'on appelle souvent l'araignée de mer. Cette forme-là. Bon, imagine-toi un peu sa forme. Et cet animal était logé à l'intérieur de ce liquide vert. Et on a porté la machine. Et à l'intérieur de ce liquide vert-là, non seulement qu'il y avait cette araignée de mer, mais on a sorti plusieurs seringues. Des longues seringues. On a sorti les seringues. Il y avait des longues seringues et des courtes seringues. On a sorti toutes les seringues. Et on a puisé au travers des différentes seringues ce liquide-là. Alors, on a mis dans les seringues. Et je vois encore cet homme, ce scientifique, Sir Francis Bacon. Il va commencer à expliquer au reste de la foule que parmi ce liquide-là sera utilisé au moyen de la vaccination. S'il y avait la possibilité, en fait, il proposait aux quatre démons qui étaient là, il faisait la proposition que lui trouvait que c'était mieux aussi, si cela leur enchantait, d'utiliser ce liquide dans la vaccination. C'est le proposeur qui leur faisait. Pour favoriser ces nouvelles maladies qui doivent s'abattre sur la terre. Et après cela, je vais voir le démon Athéna va demander à ce scientifique Sir Francis Bacon les noms qu'il avait prévus pour les nouvelles maladies. Et parmi ces noms, il y avait Sclop, il y avait VIF, trait d'union REF, VIF-REF, il y avait SCREAM, j'appelle SCREAM, S-C-R-E-A-M, SCREAM, il y avait Uranium, et à la fin, il y avait l'Autriche. Je reprends. Parmi les noms proposés par ce Sir Francis Bacon concernant les maladies, il y avait SCLOP, S-C-L-O-P, il y avait VIF, trait d'union REF, il y avait SCREAM, il y avait Uranium, et le dernier nom, c'était l'Autruche. C'était le nom. Après cela, je vais voir Lucifer Satan, il va s'adresser au démon qui était sur le cheval, c'est-à-dire au démon Balbérit. Il va lui dire ceci. Va mon chevalier, montre aux humains ces imposteurs dieux qu'ils sont des minables. Pose les bases de ces innovations et nos agents sauront quoi faire avec. Je reprends la phrase que Satan Lucifer va donner, l'ordre qu'il va donner au démon Balbérit, le démon de Juin. Il va lui dire, va mon chevalier, montre aux humains, ces imposteurs dieux, qu'ils sont des minables. Pose les bases de ces innovations et nos agents sauront quoi faire avec. Après avoir déclaré ces paroles, je vis des gens apporter à cette foule qui était là. On leur apportait 10 personnes, des humains, c'était des humains. Dans les 10 personnes, il y avait 7 hommes et 3 femmes. On apportait ces 10 personnes qui étaient là. On les apportait, ils étaient là. C'était aussi des personnes qui avaient des blouses, comme des infirmiers ou des infirmières. Et sur place, les démons ont commencé à égorger ces personnes-là. J'ai vu de mes propres yeux, puisque la scène se passait, je peux dire, à 2 mètres de moi. J'étais devant, je voyais la scène. On a égorgé ces personnes comme si on était en train de pulucher un animal à la boucherie. On a extirpé le sang de leur corps et c'est ce sang qui a été servi à tout le monde, y compris Satan lui-même, comme de la boisson et au reste de toutes ces personnes qui étaient là. On a pris, la chair a été servie comme la viande. Ils ont mangé la chair crue. Et après, ils ont pris les restes des autres parties du corps, ils ont mis ça dans des caisses métalliques et qui fut transporté je ne sais pas où. Alors, tellement que ce que je voyais, c'était pour moi des horreurs, ça me donnait l'envie de vomir et ça m'énervait, donc je n'arrivais pas. Aussitôt, je me suis vu auprès des anges que j'avais laissés à l'entrée. Au niveau de la réception. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Donc, c'est comme si je me suis vu, comme si on m'a tiré. Donc, je suis revenu au milieu d'eux. Et ces anges vont me dire ceci. Informe le monde sur ces nouveaux projets en cours dans les ténèbres. Priez votre Seigneur et Sauveur Jésus pour ne pas succomber à ces ruses. Priez, priez, priez. Et ces anges ont commencé à s'envoler.
Pendant qu'ils déclaraient, ils ont commencé à s'envoler dans le ciel. Pourtant, on était déjà, on ne touchait pas le sol, mais ils s'envolaient. Ils s'envolaient en répétant. Et lorsqu'ils répétaient, les échos de leur voix résonnaient dans toute la salle. Ils disaient, priez, 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 votre Seigneur et Sauveur vous en donne l'ordre. Et pendant que ces gens s'envolaient, ils ont disparu. Et c'est là que la vision prend fin et je me réveille. Il était 4 heures. Et j'ai commencé à prier le Seigneur Jésus. Alors, bien aimé, voilà la révélation sur l'émission que ce démon Balbérite fera en ce mois de juin. Il doit poser les bases sur lesquelles seront fabriquées, conçues des nouvelles maladies, des nouvelles épidémies et pandémies qui doivent frapper le monde. Et les anges ont insisté, nous devons prier, prier pour ne pas succomber à ces inventions-là. Voilà la mission en ce mois de juin. Le démon du mois de juin doit mettre en place les bases sur lesquelles seront fabriquées ou prendront vie des nouvelles maladies et nouvelles épidémies à travers le monde entier. Voilà la mission de ce démon en ce mois de juin 2022.